Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de Code 24, le magazine francophone de la rédaction de Futur TV, en partenariat avec France 24. Code 24, votre code d'accès à la planète info. Passons tout de suite au sommaire de cette édition. Nous irons à Adıyaman, en Turquie, vivier de l'État islamique, l'organisation djihadiste accusée par Ankara d'avoir commandité les récents attentats contre le parti pro-kurde. Nous parlerons aussi du Guatemala où le lac Atitlan, joyau de la nature, est menacé par la pollution. Dans les années 50, Détroit était la cité phare de l'industrie automobile américaine. Depuis, la crise a durement frappé au point que cette ville du nord-est des États-Unis a dû déposer le bilan en juillet 2013 et se bat désormais pour refaire surface. On vous emmènera également au cœur de l'Auvergne dans les coulisses de la fabrication des couteaux. Un savoir-faire traditionnel qui remonte au Moyen-Âge. Des représentants d'une cinquantaine de nations africaines sont à New Delhi, en Inde, pour un sommet sans précédent. Une nouvelle preuve de l'intérêt que porte le pays à l'Afrique. En Thaïlande, enfin, depuis un an et demi, la junte militaire au pouvoir continue sa mise au pas du pays. De quoi inquiéter les militants pro-démocratie qui se préparent à une censure encore plus forte sur Internet et les réseaux sociaux. Au cours des quatre derniers mois, le parti pro-kurde du HDP en Turquie a été la cible de trois attentats à la bombe, tous attribués par les autorités à l'État islamique. Autre point commun, les assaillants étaient tous originaires de Adıyaman, dans le sud-est du pays, une ville considérée comme le nid de Daesh en Turquie. À Adıyaman et dans ses alentours, entre 300 et 500 hommes auraient été recrutés par l'organisation djihadiste pour être envoyés sur le front syrien. Pour certains, le recrutement de kamikazes serait une vengeance de l'organisation État islamique pour les militants tués par les Kurdes syriens associés au PKK lors des prises de Kobané et de Tal Abyad au début de l'année. Fatma Kizilboa, Alper Çakıcı. Au cours des quatre derniers mois, la Turquie a été frappée par trois attentats. Des attaques qui visaient le parti pro-kurde et toutes attribuées à l'organisation État islamique. Autre point commun, pour le moins troublant, les assaillants étaient tous originaires de la même ville, celle d'Adıyaman, dans le sud-est du pays. Dotée d'une population de 200 000 habitants, la cité située à 150 km au nord de la frontière syrienne est a priori des plus anodines. Mais au cours des deux dernières années, plusieurs centaines de jeunes ont quitté Adıyaman pour se rendre en Syrie et former la branche turque du groupe djihadiste. Ramazan Gökay a deux neveux dans le même cas. Il témoigne au nom des parents qui craignent des représailles. Les familles affirment avoir dénoncé leur fils aux autorités à plusieurs reprises, sans succès. La police leur a dit qu'elle ne pouvait rien faire, qu'ils devaient contrôler eux-mêmes leurs enfants et qu'elle n'interviendrait que s'ils commettaient un délit. C'est ce qu'a récemment réaffirmé le Premier ministre Davutoglu en disant que ces jeunes ne pouvaient être arrêtés avant de passer à l'acte. Des adolescents endoctrinés, notamment dans ce commerce fermé il y a moins d'un an par la mairie, officiellement pour absence de licence d'exploitation. Le café Islam, géré par deux frères qui ont tour à tour mené des attaques suicides en Turquie. Un lieu réputé fréquenté, des habitants que nous avons rencontrés mais qui refusent d'apparaître à l'écran parlent même d'activités de recrutement qui avaient lieu à la vue et au su de tous. Interrogé sur ce point, un riverain préfère changer de conversation. Au lieu de venir ici, vous feriez mieux d'aller filmer les terroristes du PKK qui tuent les soldats dans les montagnes. Les autorités nient toute négligence dans cette affaire, mais pour l'opposition, impossible que les services de renseignement n'aient pas été au courant. Dans un rapport parlementaire, ce parti accuse le gouvernement de fermer les yeux sur les activités du groupe État islamique en Turquie. Je pense surtout que c'est la conséquence de la politique internationale de la Turquie et surtout de sa politique interne vis-à-vis de cette organisation. Ce qui ressort de nos travaux de recherche, c'est qu'aucune enquête sérieuse ni de lutte efficace n'ont eu lieu. À Adıyaman, c'est désormais partout la même conversation. Tout le monde craint l'enrôlement de nouveaux jeunes. Yok.
On a entendu qu'il y avait des camps de recrutement, mais comme on ne voit rien, c'est difficile de faire quoi que ce soit. Regardez les cafés de la ville, ils sont tous pleins à craquer. Les jeunes sont tous au chômage ici et très peu poursuivent leurs études. Mais il existe une minorité religieuse qui craint plus particulièrement d'être prise pour cible. Celle des Alevis, une branche de l'islam chiite. Cette communauté, considérée comme hérétique par les fanatiques sunnites, représente à elle seule un tiers de la population d'Adiyaman. Il y a évidemment de la crainte au sein de la communauté. On se demande si Adiyaman sera la prochaine cible ou s'ils iront frapper ailleurs. Une ville devenue symbole de l'implantation des cellules du groupe État islamique en Turquie. Et pour beaucoup, Adıyaman n'est sans doute que la partie visible de l'iceberg. Symbole national au Guatemala, objet d'admiration quasi mystique, le lac Atitlan de 340 mètres de profondeur est le lieu de vie de plusieurs communautés mayas, mais aussi la deuxième attraction touristique du pays. Or, chaque année, quand les températures montent, les algues bleues ou les cyanobactéries fleurissent et créent une masse boueuse, brune, qui dégage de très mauvaises odeurs. Exploité mais jamais protégé, le lac subit les conséquences d'une pollution de plus en plus intense, faisant peser sur les populations un vrai danger sanitaire et mettant à mal l'économie locale. Plusieurs dizaines de millions d'euros sont nécessaires pour éradiquer la menace, mais le Guatemala ne les a pas. Mathieu Comin, Laurence Cuvillier. Les Mayas l'appelaient le nombril du monde. Les volcans majestueux et les eaux profondes du lac Atitlan ont attiré au fil des années les touristes, les écrivains et les chercheurs comme Margaret Dix. Elle étudie le lac depuis plusieurs décennies. Aujourd'hui, elle emmène sa petite armée de biologistes pour une mission bien particulière. Comprendre d'où vient cette nouvelle invasion d'algues qui défigure le lac. Quelle est la profondeur maximale ici, où est-ce ? 298 mètres. Ces plantes visqueuses naissent de l'excès de phosphore déversé dans le lac par les eaux usées et les fertilisants. Cette invasion provoquée par l'activité humaine ne fait pas qu'enlaidir le paysage, elle étouffe aussi l'écosystème et bouche les canaux de pompage. Margaret avait déjà observé ce phénomène. En 2009, ces algues sont apparues pour la première fois, un coup dur pour l'activité touristique. Puis elles ont disparu, mais cette année, elles se sont reproduites pour les mêmes raisons. Pour combattre ce phénomène, il faut réduire la quantité d'eau usée déversée dans le lac. Il faut des stations d'épuration, ou alors il faut appliquer une méthode utilisée aux États-Unis et en Europe, dévier les canaux d'eau usée de ce lac. Nettoyer l'eau du lac est une entreprise hasardeuse et très chère. Dans ce pays pauvre, la corruption peut faire manquer bien des cibles. Dans l'une des plus grandes bourgades sur les rives du lac, Panarachel, une station d'épuration a été construite. Mais elle ne peut traiter que 40% des eaux usées de la ville. Et voici ce qui en ressort. Il existe des fonds internationaux pour financer un drainage des eaux usées. Mais l'organisation gouvernementale chargée de protéger le lac n'y a pas encore eu accès. Ce projet aurait pu être mis en place il y a longtemps, mais le processus semble gelé et l'argent n'a pas pu être débloqué à cause des problèmes politiques dans le pays. Et le temps presse. En attendant, les associations locales misent sur la prévention. Les fertilisants sont toxiques pour la terre et pour le lac. Vrai ou faux ? Vrai. Après avoir vu les algues envahir son lac préféré en 2009, Tonio a décidé de devenir éducateur. Il aide les enfants à faire le lien entre leur mode de vie et la survie de l'écosystème du lac. Les enfants passent le message aux parents et le changement s'opère peu à peu. Ce n'est plus comme il y a quelques années. Maintenant, les enfants comme les adultes comprennent qu'il ne faut pas faire n'importe quoi avec les déchets
et que ce n'est bon ni pour la santé, ni pour l'environnement. Mais si le changement n'est pas rapide et radical, le lac Atitlan ne retrouvera pas sa splendeur d'antan. Vous regardez Code 24, on se retrouve juste après la pause. A tout de suite.